Des acteurs qui a mis en place, l'État a mis en place pour résoudre cette problématique. C'est P2I qui ont été la solution miracle, là, qui ont été présentés comme solution miracle. C'est quoi encore une fois? Combien y a-t-il exactement? Comment ils sont divisés sur le territoire? Et c'est quoi? Si vous permettez, juste par rapport au problème. Le problème existait et existe et ils existeront. Nous sommes là pour les solutions, les amas. Ça, c'est le principe. Hein, mais les problèmes resteront. Maintenant, les problèmes des ondes de l'ancienne génération... Ça fait plaisir, merci. Bon, c'est bon, on a trouvé le... Chaque stratégie amène des solutions, des problèmes qui se créent, c'est le principe de la vie de toute façon. Maintenant, quels sont les principaux problèmes des ondes anciennes générations? Premièrement, c'était les standards de conception. C'était chaque commune concevait ses projets en fonction de son budget financier et pas forcément par rapport à un cahier de charge et par rapport à un besoin d'un opérateur industriel. Ça, c'était le premier problème soulevé. Le deuxième problème, c'est le problème de la logique d'intégration. C'était des zones industrielles pour l'activité industrielle. Et donc, on trouve pas forcément les services, on trouve pas forcément la formation, la logistique, etc. Le troisième problème, et ça pour moi le problème le plus important, c'est la viabilité du modèle, parce que c'était des zones conçues, portées par la collectivité, mais il n'y avait pas un service de gestion. Ça, c'est un peu si on part du passé. Maintenant, l'apport des P2I, et l'apport donc on parle de à partir d'émergence, il y a eu l'émergence d'un certain nombre d'aménageurs développeurs. Je cite MedZ, je cite la Chambre française de commerce, je cite TMSA à travers sa filiale TFZ Tanger-Frison. La logique de création de cet aménageur développeur, c'était d'accompagner l'émergence d'un nouveau tissu et de nouvelles générations de zones industrielles. En nombre, la stratégie avait planifié 22 P2I. En équivalent hectare, c'est 2000 hectares environ, avec deux sortes de P2I. On parle de P2I sectoriel, c'est des P2I axés sur un métier industriel spécifique. Par exemple, autour de l'industrie aéronautique, où il y a déjà un tissu existant sur Casablanca, à proximité de l'aéroport de Noissa, l'idée c'était de massifier et donc de créer une P2I thématique dédiée à l'industrie aéronautique. On parle de 1000 parcs. D'autres P2I, c'est plutôt des P2I généralistes quand on est situé sur des territoires où on n'a pas vraiment une vocation qui sorte de façon spécifique. Et par rapport à ce que apportaient ces nouveaux aménageurs... Et vous mobilisez le foncier qui a été mobilisé pour ces P2I, c'est du foncier public? C'est un foncier qui a été... c'est un foncier public, effectivement, qui a été dédié à un programme de 22 P2I. Et ça rentre dans le cadre carrément d'un partenariat public-privé entre les aménageurs-développeurs et le gouvernement, essentiellement le ministère de l'Industrie.